Bonjour, je suis Juliette Lalbaltri, styliste culinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette du banana split revisité. Alors, pour la réalisation, je vais avoir besoin de fraises, de sucre glace, de crème liquide entière, de bananes, du chocolat à fondre, un chocolat à dessert, une gousse de vanille, de la crème liquide et du sucre glace à nouveau pour réaliser notre chantilly. Je vais réaliser toute cette recette avec une petite sorbetière. Commençons par la préparation de la glace à la fraise. Lavez et équeutez les fraises, puis découpez-les en petits morceaux. Mixez-les avec un mixeur plongeant afin d'obtenir une belle purée de fruits. Ajoutez le sucre glace et la crème et mélangez bien le tout pour supprimer tous les grumeaux de sucre. Versez la préparation dans la sorbetière et réalisez la glace selon la notice. Lorsqu'elle est prête, versez-la dans un bac en plastique refermable et placez-la au congélateur. Passons maintenant à la préparation de la banane en croûte de chocolat. Épluchez la banane et découpez-la en trois parties de différentes tailles. Essayez de couper bien droit afin que chaque morceau de banane soit bien régulier. Percez chaque morceau jusqu'au bout à l'aide d'un pic à brochette afin de les transformer en tubes que vous pourrez ensuite remplir de glace. L'idée, c'est d'y aller vraiment tout doucement pour ne surtout pas percer la banane. Faites fondre le chocolat au micro-ondes et versez-le dans un bol assez profond. Trempez chaque morceau de banane, mais pas jusqu'en haut, ça sera plus joli pour la présentation, et déposez-les immédiatement sur une feuille de papier sulfurisé. Placez au frais pendant quelques minutes afin de bien faire durcir le chocolat. Réalisons maintenant la crème chantilly. Commencez par fendre la gousse de vanille en deux et récupérez toutes les graines. Il suffit juste de gratter à l'aide d'un petit couteau. Versez la crème liquide bien froide dans le bol de votre robot. Il faut que ce dernier soit très froid. L'idéal, c'est de le laisser une vingtaine de minutes au congélateur avant de monter sa chantilly. Battez avec un fouet électrique jusqu'à ce que la crème soit bien prise et surtout très aérée. Il faut que cette chantilly soit extrêmement légère. Ajoutez ensuite les grains de vanille puis le sucre glace et battez à nouveau, juste pour incorporer le sucre. Placez ensuite votre plat au frais. Sortez les glaces du congélateur et travaillez-les une à une avec une cuillère afin de les ramollir et d'obtenir une sorte de purée de glace. Versez une petite quantité de chacune des glaces dans des poches à douille, munies d'un embout long et assez fin. Ça sera beaucoup plus simple ensuite pour remplir chaque tube de banane jusqu'en bas. Garnissez le premier tube de banane avec de la glace à la fraise. Remplissez le dernier tube avec de la glace au chocolat. Ajoutez de la crème chantilly sur toute l'assiette. Et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à déguster.